Bonjour. D'abord, un tout grand merci pour l'invitation. Ici, si je peux résumer en quelques mots, l'activité que nous menons sur place à Conakry, c'est que nous apportons de l'assistance à la police routière dans ses activités de tous les jours. Donc, nous les aidons à fluidifier la circulation, à dégager les encombrants sur la route et des véhicules mal stationnés qui posent pas mal de problèmes et qui pose aussi beaucoup d'embouteillages sur la ville de Conakry. Bon, les raisons sont toutes simples, puisque pour commencer, la Guinée reste mon pays natal, et quelle qu'en soit la réussite d'un homme, tant qu'on n'a pas mis pied dans son propre pays, pour moi, c'est comme si on n'a jamais atteint l'objectif fixé. Ben, si je suis venu en Guinée, c'est parce que j'avais envie et j'ai toujours envie d'apporter ma petite pierre à l'édifice et contribuer au développement de. Bon. Pour en venir à la première question, vu que pour la raison qui a fait que certains ont échoué, c'est que on a un problème en Guinée. Le problème guinéen est que l'État n'accompagne pas les investisseurs locaux. Et ici, ce qu'il y a, c'est que l'État demande toujours aux gens de venir investir en Guinée. Mais le Guinéen qui prend sur lui-même pour venir investir dans son pays n'est pas accompagné comme il faut. Il est plutôt, on va dire, traité de façon, on va dire, incroyable. C'est ce qui pousse certains à venir s'investir et à échouer, à retourner les mains vides. Si je vous donne un exemple, c'est qu'aujourd'hui, avec la situation actuelle, nous sommes installés sur trois pays. Et ces différents pays, je vais dire le Rwanda, le Congo, la Belgique est déjà la pièce maîtresse puisque tout a démarré en Belgique et aussi en Guinée. Donc, si je rajoute la Belgique, c'est qu'il ne fait quatre pays. Mais dans tous ces pays, la plus grosse difficulté qu'on a se trouve au niveau de la Guinée. Concrètement, les difficultés qu'on a en Guinée, la plus grosse difficulté se situe au niveau de l'autorité guinéenne elle-même. C'est-à-dire que vous venez investir dans le pays, vous venez apporter votre aide au pays, mais l'autorité sur place a une autre vision de la chose. C'est-à-dire l'autorité, bon, la nouvelle autorité, on ne va pas parler d'eux, on parle de l'autorité qui était déjà là. Cette autorité avait tendance à vouloir avoir la même base sur tout. Donc, imaginez que vous investissez, vous n'êtes même pas rentré dans votre investissement et de l'autre côté, on vous demande à dépenser ou à donner plus que ce que vous ne gagnez. Donc, évidemment, un business qui ne rapporte rien ou un business qui a du mal à décoller, c'est un business déjà qui est voué à l'échec. C'est pour cette raison beaucoup échouent. Et nous aussi, on tient jusqu'à présent. C'est puisque on a de l'apport des autres business qui viennent en contrepartie aider toujours à soutenir celui qui est mis en place en Guinée. Ça arrive à longueur de temps. Ça, c'est pratiquement le quotidien de mes hommes et aussi c'est mon quotidien. Donc, on va dire en quelque sorte, la normale est devenue normale. Puisque quand on dit la normale est devenue normale, c'est que ce qui n'est pas normalement faisable en Guinée, mais vous êtes obligé de faire avec. Donc, vous pouvez prendre la voiture de quelqu'un qui est mal stationné, mais vu que la personne connaît un tel ou un tel, ben, la loi, il n'en a rien à, si je peux me permettre, il n'en a rien à foutre. Donc, ce qui compte, c'est ces relations qu'il a, malheureusement.
Alors, si je peux m'adresser à la nouvelle autorité et leur adresser un message, mon message serait le suivant. Il n'y a pas plus grand, meilleur, il n'y a pas plus meilleur investisseur que les fils du pays. On a beau tendre la main au monde entier, mais le meilleur investisseur reste le Guinéen, le fils du pays, le Guinéen lui-même. Puisque personne ne peut ranger ta maison mieux que toi-même. Personne ne peut s'occuper de ta famille mieux que toi-même. Les autres, s'ils arrivent, ils arrivent puisqu'ils sont motivés par autre chose, ils sont motivés par la part du gain, par certaines choses. Mais le Guinéen qui vient investir en Guinée vient pour plusieurs raisons. Vient puisque, pour commencer, c'est chez lui et il a envie de voir son pays évoluer. Et lui, il n'a pas autre choix que de faire en sorte que les choses avancent. Mais les autres, si ça ne va pas, ben ils plient bagage, ils vont ailleurs. Mais le Guinéen, lui, il a un défi à relever. Et ce défi, les nouvelles autorités doivent tenir compte de ce défi. Que ce soit le Guinéen de l'étranger, donc qu'on appelle communément la diaspora, ou le Guinéen vivant sur le sol guinéen même, qu'ils mettent les choses en place pour accompagner ces individus, ces personnes de bonne volonté, à ce qu'ils puissent réussir dans leurs entreprises. Dans les autres pays, la Belgique où nous sommes aujourd'hui, le meilleur investisseur en Belgique reste en Belge. Le meilleur comment dirais-je, employeur reste en Belge. Quand on prend le cas de Colorette, par exemple, qui est le meilleur investisseur ici et le meilleur employeur, mais c'est une structure belge. Et même quand, en cas de crise, l'État fait en sorte pour que ces structures continuent à prospérer et à continuer à aider les citoyens du pays, puisque personne ne peut aimer ton fils mieux que toi-même. Donc, moi, si je peux leur demander quelque chose, c'est d'encourager l'investissement guinéen fait par des Guinéens et encourager l'entrepreneuriat guinéen, l'entrepreneuriat jeune, et faire en sorte que des gens qui mettent les mêmes bases sur les entreprises arrêtent de faire de ça une activité. Je vous remercie.